Mais les femmes, elles sont vénales, nanani, nanana. Moi, ça m'énerve. J'ai vu une vidéo la dernière fois sur YouTube. Le gars, il est venu à pied, il a accosté la meuf. La meuf, elle l'a rejeté. Et après, genre, il a fait genre, il avait une Ferrari à côté. Tout de suite, elle lui a demandé son numéro. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Ici, c'est pour les gens qui sont déterminés. Donc si tu es un gars déterminé, tu dois t'abonner et tu dois cliquer sur la notification. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Okay, surtout que ce n'est pas la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le gars veut regarder, mais je ne veux pas donner la force. C'est comment? On ne comprend pas. Donc l'idée, c'est. Donc je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement. Ok, donc moi je l'ai fait, aujourd'hui je voyage où je veux quand je veux et pourtant j'ai grandi à Évry dans 91 dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP. Donc si j'ai réussi à le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Ok, et j'ai créé mon business en ligne en plus sur le saxophone. Donc ça veut dire la niche, je veux dire, on n'est pas 50 000 à jouer au saxophone en France. Et pourtant j'ai réussi à générer 2 000 euros par mois en moyenne et j'ai même fait un lancement à 20 000 euros juste avec des ventes de formation sur le saxophone. Je pense qu'à un moment donné, les gars, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Okay, donc moi, j'accompagne les déterminés à travers mon programme Successful Online 2.0, ce qui est sur 6 mois où je t'accompagne, bah, du coup, si jamais tu as une passion ou si jamais tu es coach, expert, consultant, à créer ton business en ligne et à pouvoir être libre géographiquement, voyager, faire ce que tu veux avec ton argent par la suite. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Alors les gars, cette vidéo, c'est une petite vidéo un petit peu spéciale et que tu as vu, ça sort complètement des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, j'ai envie de te dire, c'est, tu vois, j'y pensais la dernière fois et je dis tiens, je vais faire une vidéo. Donc les gars, ça va être plus une discussion, ok? Et si jamais vous voyez aussi à cette femme qui sont là, n'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires, les gars. Donc les hommes, les gars, laissez-moi vos commentaires aussi. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ok? Et les femmes aussi. Donc le sujet de la vidéo, c'est pourquoi les femmes préfèrent les hommes plus riches qu'elles. D'accord? Pourquoi les femmes préfèrent les hommes qui font plus d'argent qu'elles? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Les gens disent tout ce qu'ils veulent, nanani, nanana. La vérité, les féministes disent ce qu'elles veulent et je sais pas quoi. La vérité, c'est que c'est toujours le même système. Les femmes, elles sont hypergamies. Donc, hypergamie, ça veut dire quoi? C'est qu'elles préfèrent avoir un conjoint qui est d'une classe sociale au-dessus d'elles. Et donc, ça, c'est un fait. Et déjà, première chose, est-ce que toi, tu es d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous validez ou pas? Déjà. Ok, les gars, les filles, est-ce que vous validez ou pas? Donc, mets-moi un petit peu en commentaire pour me dire si jamais tu valides ou pas. Donc moi, j'ai mes théories par rapport à ça. Oui, voilà, je commence à faire des théories. De toute façon, ce que je veux, c'est ma chaîne. Voilà. Donc j'ai établi plusieurs théories. Ok, plutôt une, voilà, on ne va pas se mentir. Première théorie, je me suis dit, bon, on va dire que c'est pour la sécurité. D'accord, les femmes préfèrent les hommes qui sont plus riches parce qu'elles se sentent en sécurité. Dans le sens où, genre, tu vois, je pense que la femme, elle pense plus à son avenir, si elle a des enfants, etc. Elle se dit, au moins, si jamais je suis avec lui, il a de l'argent, ça tombe, moi et mes enfants, on sera bien, on sera en sécurité. Donc, je me dis jusque-là, bon, pourquoi pas, tu vois, normal, tu vois. Après, donc, dis-moi ce que tu en penses, déjà. Première théorie, est-ce que tu valides ou pas? Deuxième théorie aussi, c'est que la femme aime le confort. Je veux dire comme tout le monde en fait. Je veux dire à un moment donné, voilà, si elle peut s'acheter un petit sac Louis Vuitton, ça lui fera quand même plaisir, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, la femme elle aime l'argent comme les hommes aiment l'argent. Parce que des fois on fait comme ça, ouais mais les femmes elles sont vénales, nanani, nanana. Moi ça m'énerve, j'ai vu une vidéo la dernière fois sur YouTube, le gars il est venu à pied, il a accosté la meuf elle l'a rejeté, et après genre il a fait genre, il avait une Ferrari à côté, tout de suite elle lui a demandé son numéro. Donc voilà. Donc du coup, après les gars ils sont énervés, ils disent ouais vraiment, j'ai vraiment une, hein, voilà, pas besoin de le dire, on essaie de rester poli quand même. Des fois ma mère regarde des vidéos, donc pas de, hein, les gars, on reste poli. Donc du coup, moi je me dis tout simplement, bah, c'est une femme, c'est un être humain comme nous les hommes, on aime aussi l'argent, donc je vois pas pourquoi elle devrait pas aimer l'argent aussi. Donc dis-moi toujours, hein, les gars, vous réagissez, dis-moi si jamais tu valides ou pas. Et troisième théorie, c'est aussi le fait qu'elle ait plus d'attirance vers des personnes ben, en gros qui charbonnent. Et parce que quand tu deviens riche, ça, c'est pas juste de l'argent, tu vois. Comment tu as fait pour devenir riche? C'est quand même tout un état d'esprit, une manière de penser, une manière d'agir qui est complètement différente. Parce que forcément, si jamais tes résultats se manifestent à l'extérieur en richesse, c'est qu'à l'intérieur, tu es riche aussi, tu vois.
C'est la richesse intérieure se matérialise après à l'extérieur, okay, et non le contraire. C'est pour ça d'ailleurs les pauvres ils achètent des trucs chers pour pouvoir paraître riches, mais en fait ils sont pas riches à l'intérieur. Donc il y a aussi ça où je me dis où la femme elle aime aussi pouvoir admirer en fait la personne avec qui elle est, parce que si t'es un gars déterminé, t'es un gars qui fait des choses, qui est dans l'action, tu vois, je pense que la femme elle aime avoir un gars comme ça qu'un gars qui est affalé sur son canapé en train de regarder Netflix. Ok, donc voilà les gars, c'était un petit peu partage, je fais ce que je veux sur ma chaîne, donc dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu en as pensé. Ok, dis-moi ton avis aussi, si jamais aussi il y a quelques filles qui sont là, moi je suis très intéressé pour savoir un petit peu votre avis. Ok, donc n'hésite pas à mettre un j'aime ou un j'aime pas si jamais tu n'aimes pas du tout ce genre de vidéo et tu veux plus jamais que je vous parle encore de trucs comme ça. Maintenant, si jamais tu veux créer ton business en ligne, n'oublie pas que tu as tout en description, d'accord, que tu sois coach, expert, consultant, vous avez la masterclass, tout est offert les gars, on lâche rien. J'ai bientôt plus de batterie sur la caméra, donc je vais faire court. On lâche rien les gars et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous. Donc les gars, ça c'est pour vous les gars, que vous êtes restés jusqu'au bout. Si vous voulez des femmes les gars, créez votre business en ligne, c'est en bas. C'est mieux que Axe. Quoi, créer ton business en ligne, les femmes vont te courir après les gars. Elles vont te courir après mon gars. Tu vois ce que tu veux là? Oui, Amandine. Tu vois Amandine? Elle va venir, tu n'auras plus besoin de... Oui Amandine, tu essaies de lui parler, tu ne réponds pas. Elle va venir normal. Tu as juste à prendre ma formation en ligne, offerte en plus. Tu commences à charbonner et Amandine, 100% garantie, cousin.